Salut à tous les amis, c'est Dr Play et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Minecraft et je suis en compagnie de Asuke. Yo les potos! Merde. Oh ça commence. Ça commence bien. Non t'inquiète, tu vas réparer. Ah, c'est... Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un serveur. C'est un serveur Doctor Who que nous avons créé il y a quelques jours. D'ailleurs. Hier. Avant-hier. Ouais, bon. On a commencé à faire le serveur, on a bien avancé. Enfin, disons que Asuki a bien avancé. Mais j'ai fait un peu la plupart des choses. Donc, en gros, on va ouvrir un serveur Minecraft qui sera en 1.11 seulement. Hein, seulement en 1.11. Et qui sera destiné aux joueurs de Doctor Who, RP aussi, parce qu'il y aura du RP sur le serveur. Et plein d'autres choses. Ouais. Ouais, il y aura plusieurs modes, voilà quoi. Pour l'instant, c'est surtout RP, Doctor Who et voilà. Donc moi, je vais vous faire le flash, flash home plutôt parce que. Moi, je fais un flash home, voilà. Donc, ici, on est dans le home. Alors, je vous montre un peu le spawn qu'on a modifié, mais largement parce que. Il est stylé. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. en fait, ça, c'était pour faire chier ta vidéo. Donc, ouais, ça va. Non, on a, en fait, si on regarde bien de l'extérieur, ça donne un style oriental. Un peu. Ça donne un bon style pour le spawn. Mais donc, on aurait posé ça par terre, ça aurait été tranquille. Mais on l'a mis en hauteur. Bon, c'est toujours stylé, hein. Ça rend toujours une bonne couleur et tout. Voilà. Donc, comme vous voyez, là-bas, les TARDIS. Hein. Je vous les ferai pas montrer. Si vous venez sur le serveur, vous pourrez les voir, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je vous les fais pas montrer. Car on avait beaucoup de choses à faire dessus. Welcome to the bank. Alors ici, alors pour l'instant, il n'y a pas de nom, mais ici, on dirait... Franchement, vous rentrez dedans, on dirait un commissariat. C'est pas un commissariat, c'est une banque. Eh oui, les amis, une banque. Voilà, voilà. Donc, il nous a fait quoi? Il nous a fait les... Ça, c'est les parloirs. Ici, bon, il vous a fait une installation pour essayer de se reposer au cas où. Voilà. Surtout se reposer. Il a fermé le truc, mais il n'y a aucune porte. Hein. Si, si, il y a une porte normalement là, mais là, non, il n'y a pas de porte. Normalement. Là, c'est la salle des coffres. Ouais, ce sera la salle des coffres ici. On vous fait montrer tout ça, mais vous ne pourrez pas les voir. Hein, c'est sûr. On vous fait montrer directement en vidéo, mais vous ne pourrez pas y avoir accès. Là, c'est pour accès, pour ouvrir ce qu'on a eu dans le contenu du coffre, hein, comme dans tous les films que vous avez déjà vus. Alors là, normalement, on ne peut pas y accéder sans avoir de clé ou un truc comme ça. Voilà, là, on est accès. Donc, je pense qu'ici, ce sera quoi ici? Là, c'est là où il y aura toute la monnaie de la banque. Donc, il y aura un système de hold-up sur le serveur. Il y aura peut-être un système de hold-up à voir. À trouver, bien sûr. Comme dans GTA, quoi. En gros, moi, pour ma peine, lui, il a voulu plutôt reprendre un serveur de Toucan Gaming, sauf que moi, je vois plus le serveur de Garry's Mod. Tu vois, le serveur Garry's Mod, c'était un ancien serveur Garry's Mod, où t'avais la banque qui était là, et tout ça. T'avais la mairie, ou en train de ça, je sais plus quoi. Enfin, t'avais tellement de... C'était une ancienne map, en plus. Donc, voilà, bref. Type RP, ouais. Après, le spawn, hein, le parking à TARDIS, le shop. Voilà. Ici, alors juste avant que je fasse montrer le shop, ici c'est le parking à TARDIS. Donc, comme c'est un TARDIS plugin, forcément vous pourrez garder vos TARDIS ici. Donc on a foutu une table de craft et une table, enfin un coffre de l'Ender. Un coffre de l'Ender pour que vous stockiez tout ce que vous aviez et la table de craft pour créer le TARDIS. Voilà. Bien sûr, tout cela sera fait en survie. Donc, si vous voulez faire un TARDIS, il va falloir récupérer tout le matériel qu'il vous faut pour la survie. Il a pris des îlis, des blocs de laine. Voilà. Quoi d'autre? Ici, c'est le shop. Donc, pour l'instant, il est en construction. Il est vide, hein. Il n'y a pas de. J'ai même pas installé de plugin encore et je vais l'installer dans pas longtemps.
Mais voilà, vous aurez un shop. Donc au cas où, pour acheter ça, ce sera en monnaie sur le serveur. Et pour avoir la monnaie sur le serveur, il va falloir le gagner en faisant... Des events. Il y aura des events où on y aura des crates. Voilà. Disons que les events, ce sera plus pour les armes et tout. Ce sera pas la monnaie. Pour l'instant. Par contre, on peut faire toujours des concours. Il n'y a pas de souci et tout. Mais on fera aussi... Bon, le but, ce sera pour gagner cette monnaie, ce sera surtout de buter des monstres et tout. Donc, je sais pas, chaque monstre vous rapportera 0,87 $. Tu vois. Ouais. Ça peut toujours être intéressant. On verra comment ça va se passer, ou 1 $, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Donc, ici, il nous a fait quoi le Asuki Game là? Là, j'ai restructuré, comme tu as pu voir. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ce matin, j'ai dit putain, qu'est-ce qu'il a foutu. Alors, on va voir l'intérieur, puisque je pense que tu as modifié l'intérieur. Non. Génial, bon, je vais faire montrer quand même l'intérieur. Bon, je vous dis, c'est pas joli. Hein. Connard, direct, il recommence à clasher. Donc, en gros, il nous a voulu faire un appartement. Non, pas un appartement, je crois que c'est un truc pour les célibataires, je sais pas quoi. Non, pour les riches. Un youtubeur riche. Franchement, vous mettez ça pour un appartement. Voilà. Quoi d'autre? Il nous a fait quoi là ici? La chambre de youtubeur, la chambre de couple. Eh, je t'ai dit, c'est interdit au plus de 10, au moins de 18 ans, je veux dire. Bah, j'ai 18 ans. Merde, c'est vrai. Ici, la chambre de gamer, bon, forcément, c'est pas vraiment, vraiment, vraiment chaud. Mais vous pouvez toujours essayer de faire des vidéos quand même, hein, c'est pas intéressant. Enfin, c'est... Voilà. Et ici, de l'autre côté, vous avez fait quoi? Un bar avec lounge et... Un bar au premier étage, c'est fou, hein. Bah, ouais, ça existe, hein. Ouais. Ici, nous a fait la petite range de coffre. Penderie. Ici, il nous a fait la salle à manger et la cuisine, bon, c'est pas fini. Et ouais. Moi, ici, enfin, moi, lui, plutôt, il a fait la piscine et moi, je suis en train de faire l'event, justement. Donc, en gros, je suis en train de rajouter, donc, comme vous voyez, bon, c'est une ouverture, mais je suis en train de rajouter tous les systèmes de d'event. C'est moche. Mais le problème, c'est que je sais pas où ils sont, les trucs. Et du coup. Mais du je sais coup, pas, je vois un truc là. Coup, là, t'as cassé un truc là, ce que je vois. Non, ça a été mal replacé. Attends. Enfin, laisse-moi faire parce que. Voilà. En gros, je vous le dis pas où ils sont parce que voilà, vous n'avez pas à le savoir. Hein. On va poser... Il marche au moins tes trucs, tu me dis. En fait, c'est même pas si. Beaucoup de tueurs. Je fais ça non, pour exprès pour m'en souvenir où c'est. Okay. Voilà, donc vous pourrez... au cas où les events se passeront dans cette maison, donc. Bon, même si c'est un... bah, le problème, c'est que c'est un appartement de riche, donc il n'y a personne qui pourrait venir habiter ici. Alors. À part moi. Bah, il y a mon logo au sein de toi. Oui, bah oui. Du coup, sa baraque à lui, forcément. Bon, bah, vous remarquerez bien que c'est moche, hein. J'ai rien compris. Voilà. Bah, te faire foutre. Vous avez quoi, une petite piscine, un petit jacuzzi, je pense. Ah, une petite piscine, ça. Ça, c'est la piscine du pauvre. En gros, ouais, c'est la maison de pauvre, comme il a dit. Ici, il a fait quoi? Ici, je crois que c'est une autre piscine. Non, c'est la. Ouais, bon. Bref. Alors ici, je vais bien me dire avant de me barrer, c'est la salle de réunion, c'est-à-dire qu'on va, on va faire des recherches d'administrateurs et tout sur le serveur, forcément. Et bien sûr, sur la recherche d'administrateurs, on va en convoquer quelques-uns. Et ici, ce sera ici qu'on fera les demandes. This is the vault! On fera les demandes et tout. Et il y aura aussi des réunions de temps en temps pour régler certains points, genre la semaine, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu du bordel, ceci, cela. Donc voilà. Il y a quoi en haut? Il n'y a rien du tout, je crois. Il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a rien. Voilà. Juste un observe. Je ferme la porte au lit, cet enfoiré. Ah bah, je te fais la même chose que tu m'as fait. Là, il va y avoir un hôtel. Alors là, c'est en construction. Avant, il y avait un bâtiment, mais on l'a complètement éraillé. Parce que. Ouais. La brique là, c'est que là, dans un hôtel, il y aura de la brique aussi, je suppose. je sais pas. Bon, ici, on avait au départ installé le plugin Stargate, sauf que je vais l'enlever. Et je vais mettre un autre plugin à la place de la Gate. Oui, admirez le beau travail là-bas au bout. Je ne regarderai pas, parce que je vous conseille pour les enfants, on va éviter. Hein. C'est le phare Josette. Ah oui, il faudrait que je mette le panneau au phare. Le phare Josette, il va falloir que tu le modifies un peu quand même. Ouais, attends, en fait, t'as pas vu ce que j'avais fait aussi un peu plus loin. Je regarderai ça, mais en temps la vidéo, parce que... Non, parce qu'en fait... Non, c'est juste le HIG. Je me suis amusé à faire ça à la base pour une vidéo, et au final, la vidéo, bah, elle a bugué, et bah, il s'est resté. Alors, derrière, au cas où, derrière la banque, là, ce que vous voyez là, au cas où, on va y mettre peut-être des parkings, mais ce sera surtout pour venir récupérer l'argent. Donc, en gros, il y aura des métiers sur le serveur. Et oui, il y aura des métiers.
Il y aura le métier de la banque, il y aura le métier de l'hôtellerie, il y a le métier de... Banquier. Ouais, métier banquier, il y a le métier... Il y aura aussi le métier parking tardise, le mec qui doit surveiller les parkings. Non, c'est vrai que ça peut être intéressant, c'est payé. Ah, voilà, on verra comment ça sera payé, mais voilà, ça sera sûrement payé, ça c'est sûr. Ça s'appelle vigile, mais voilà quoi. Oui, c'est une vérité. Ouais. Il y aura aussi un endroit pour surveiller le shop, n'a pas vraiment besoin, je pense. Oh. De toute façon, il sera bloqué à partir de certaines heures. Il n'y aura pas d'accès à Et partir. une petite idée, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'on pourrait aussi faire une ligne de train. Ah, le train sur un métro, un truc comme ça. Ouais. Ouais, Ouais, pourquoi pourquoi pas. pas. On verra. Genre, là, ça va être là, le subway, hop, pst, on descend, on prend notre ticket et on va, je sais pas, à New York, par exemple. Peut-être pas le ticket, je vais pas vous mentir, peut-être pas de ticket, mais au moins déjà, si on peut faire un subway, on peut faire, si on peut faire un arrêt pour prendre une ligne de métro pour directement pour emmener ailleurs, ce serait intéressant. Parce qu'il y aura autre chose plus loin, je pense. Hein, Oh bah oui. on va pas laisser que cette ligne-là, on serait comme ça. Vous voulez Bon, aller allez, en zone PVP? Allez hop, il y prenez aura le la zone métro. PVP, il y aura la zone PVP, il y aura peut-être la zone mini-jeu, je sais pas. Ouais. Par contre, il y aura Event, jeune event. zone créative, je sais pas s'il y aura. Ça, c'est, je pense pas. Non, il y aura pas zone créative. Ça va. Il y Ouais. aura plus de zones PVP, zones tribales, zones mini-jeux, mais je sais pas plus après. Voilà. Donc Voilà, voilà, bon. bah, on vous a fait tout le tour du serveur. J'espère. Ah De oui, ce qu'on a fait pour l'instant. juste avant que je vous quitte, on a. Alors, le serveur il sera en 1.11, donc pour l'instant il est en bêta, donc ça veut dire que le serveur est quand même ouvert, mais pas complètement. On fait une whitelist pour le serveur pour l'instant, parce qu'on n'a pas mis assez de protection pour que le serveur soit réellement en public. Donc pour l'instant, Voilà. le serveur, il sera en whitelist. Donc si vous voulez rejoindre le serveur, alors parce qu'on a besoin d'aide pour le serveur, si vous voulez rejoindre le serveur, pourquoi pas, surtout pour nous aider, ce serait intéressant et pour Si pouvoir vous avez discuter. des propositions Donc aussi, ouais, quoi. voilà. Si vous avez des propositions et tout, vous mettez dans les commentaires que vous voulez rejoindre et je vous demanderai votre recap et tout, et puis on essaiera de faire ça. Voilà. Par contre, je dis en commentaire et tout de suite, et je pense qu'il va sûrement y avoir des commentaires négatifs, mais je le dis quand même. Pas de kikou sur le serveur, ça veut dire pas de rageux, pas de personnes qui savent pas jouer, qui savent que insulter. Ça, je refuserai totalement parce que ce sera une expulsion directe du serveur. Pas d'insulte forcément. Pas de cheater parce que le cheater, je pense qu'il va y en avoir. Hein. Comme dans tous les serveurs d'ailleurs, il y en a qui essayent de cheat et ça. Ce sera pas autorisé, de toute façon ça se remarquera sur le serveur directement parce qu'il y a des bons plugins qui vérifient les cheaters, donc au cas où, voilà. Et puis il y aura plein d'autres trucs, voilà. Donc surtout, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Et aussi à vous abonner à la chaîne de Asuke que je mettrai dans la description. Donc Ouais. sur ce, merci et à la prochaine. Ciao, Bye bye! ciao.